bonsoir à tous et à toutes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas les répéter. Je voudrais insister sur deux choses, donc au nom du nouveau parti anticapitaliste, comme militant politique, mais aussi simplement comme être humain, j'allais dire tout simplement, le meilleur plaidoyer pour l'inscription des sans-facs, c'est les témoignages que j'ai entendus sur les réseaux sociaux des sans-facs eux-mêmes. Voilà, c'est-à-dire des étudiants, des étudiantes qui ont la dalle et qui ont faim de simplement pouvoir étudier par rapport au discours dominant qui nous explique qu'on est tous finalement amenés à s'accrocher à la société, qu'on est déboulés pour la société, qu'on exige des droits qui sont en réalité que des privilèges. Et bien là, il y a simplement des jeunes qui veulent faire respecter un droit, le droit à l'étude, il suffit de les écouter pour en être convaincus. Donc moi, je ne suis pas là pour donner des leçons aux étudiants et aux étudiantes sur la manière dont ils ont à mener leur combat. Pour avoir été étudiant ici, comme d'autres, je pense qu'on ne supporte pas que de l'extérieur, on vienne vous faire la leçon. C'est vrai aussi pour les salariés et vice-versa. Mais apporter un soutien sans faille. Sans faille, ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer un message à l'ensemble de la direction de l'université, à ceux qui ne sont pas forcément encore convaincus qu'on n'est pas si loin de ça, de la victoire. Alors il y a une multitude d'arguments. Évidemment, il y en a qui nous viseront que la patate chaude dans un système de pénurie budgétaire, c'est toujours sur les mêmes facultés que ça retombe. Le surplein, le trop d'effectifs. C'est vrai pour l'université, c'est vrai dans tous les domaines, vous pouvez le démultiplier jusqu'au logement. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais supporter, d'un point de vue moral, éthique, qu'un seul ou une seule étudiante de SPILI reste sur le carreau au nom de cette politique de chantage. Donc le débat pour nous, il ne pourra jamais être comptable, il ne pourra jamais être gestionnaire, même si parfois il a un sens. Oui, il faut sûrement, et j'en suis persuadé, plus de moyens financiers et humains pour la faculté de Nanterre, pour ses enseignants, pour son personnel administratif. Mais si la direction croit deux secondes à ce qu'elle raconte, alors qu'elle se mobilise, qu'elle occupe elle-même le rectorat ou le ministère, ou qui elle veut, mais qu'elle ne rende pas les étudiants otages de cette situation-là. La dernière chose, c'est que ce combat, il doit aboutir, parce qu'en effet, c'est la face visible de l'iceberg. Ça a été dit par d'autres, je crois que c'est toi qui l'as dit, mais c'est simplement ce qu'on voit. Mais derrière ces 100 facs-là, derrière ces 60 qui restent à inscrire sur plus de 30 000 étudiants, il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de 100 facs par rapport à ce système injuste qui s'appelle Parcoursup, une logique algorithmique. On parle plus à des êtres humains, on est confronté à des algorithmes et on ne devrait rien dire. Personne n'en veut. Alors c'est le temps de la campagne électorale. J'imagine qu'il y aura 10 000 promesses électorales. De mémoire, je sais que le seul moyen de se faire entendre, même dans ces périodes-là, c'est de se mobiliser. Et si ce qui se passe ici à Nanterre peut être l'occasion d'avoir une mobilisation des étudiants et des étudiantes comme il y en a déjà eu par le passé, alors après le confinement, franchement, je vous le dis, ce serait une bouffée d'oxygène pour deux raisons. La première, pour redire à quel point on veut un service public de l'éducation gratuit, sans sélection, qui ne sélectionne personne à l'entrée, qu'on vienne des quartiers ou des couches populaires. Et ça, c'est remettre en cause les politiques libérales telles qu'elles ont été menées sous les différents gouvernements, qu'ils étaient droite ou qu'ils étaient de gauche, parce que là aussi, j'ai de la mémoire en la matière. Et un mouvement d'étudiants, enfin, ça nous ferait simplement du bien pour l'air du temps. Ce climat politique nauséabond, puant, cette vase idéologique immonde qu'on entend en permanence sur les chaînes d'information continue. Bordel, de revoir simplement la jeunesse de ce pays redresser la tête et leur dire merde, et leur dire que la peur n'a pas changé de camp, c'est ce qu'on attend tous et toutes. Et c'est aussi pour ça qu'on est solidaires.